il ou elle, évidemment, c'est mix. Et avec ce rituel, il n'aura Dieu que pour toi. Oh my God, je suis en forme aujourd'hui. Ça revient. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis Farakée, je suis là pour vous aider. Donc, on va faire aujourd'hui un rituel d'amour très puissant. Mon Dieu. Avant ça, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, vous avez vu au début que pour me contacter, c'est uniquement si vous voulez un rituel personnalisé ou un rituel spécifique ou des infos pour mes formations. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, toutes les questions, toutes les via WhatsApp. C'est pas possible, je deviens dingue. Donc, j'espère que vous comprendrez. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Avant de démarrer, de vous montrer ce dont on aura besoin, n'oubliez pas comment devenir un fin fatal et le rendre fou amoureux. Livre de coaching que vous trouverez en dessous dans la description, en dessous de la vidéo, que vous retrouverez sur la FNAC, sur Amazon, sur vous tapez Farakée, sinon il y a un lien direct. Et comment sortir une relation toxique. Et évidemment, je ne sais pas si quand je vais poster la vidéo, il y aura le livre rituel qui sera prêt, mais il arrive et je prépare déjà le deuxième. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se payer des rituels, eh bien vous l'aurez dans un livre avec des petites surprises. Ça n'a pas l'air trop droit là. Si, pas vrai. Alors là, j'ai acheté un pied, mais un grand pied en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que j'achète un petit pied pour faire basculer. Parce qu'avec ce pied-là, je ne peux pas le faire basculer. À moins que, on va voir. Donc qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour ce rituel? Donc il vous faudra du poivre, du parfum, quel que soit le parfum, une bougie rouge et du fil rouge. Alors là, c'est un peu du fil de laine. Vous pouvez avoir du fil de couture, voilà, ce que vous avez sous la main. Et qui n'est pas trop cher. Moi, j'ai acheté ces fils-là chez... voilà, c'est pas trop cher. Alors, on va démarrer. Alors, nous allons prendre la bougie rouge et mettre du parfum. Mettez pas le parfum sur la mèche. Vous pouvez le mettre ici, d'accord? Voilà. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça coûte cher le parfum et... ça sent trop bon. Voilà. Donc, vous mettez, si vous avez une bougie sans verre ou sans rien, vous mettez sur la bougie ici. Mais pas sur ça. Hein. Alors, pas le feu. Donc, vous le mettez là. OK? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez prendre... Oups, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait le bout de papier. Ça, je vais vraiment zapper. Voilà. Donc, on va prendre un bout de papier. Je vais le plier. Il est un peu trop grand là. Voilà. Évidemment, un stylo bleu. Je peux vraiment oublier là. Voilà. Je vais le plier encore en deux. Parce que sinon, c'est un peu grand. Alors, vous savez, quand vous faites les rituels, donc voilà, vous allez déchirer ici. Voilà, pour celui-ci, il faudra laisser espacer l'énergie. Ça, c'est déjà fait et ça aussi. Quand vous faites des rituels, qu'est-ce que j'allais dire? Quand vous faites des rituels, prenez le temps de le faire. Regardez la vidéo, regardez à nouveau pour être dans l'énergie. En fait, moi, je vous envoie de l'énergie. De l'énergie. Et vous voyez bien qu'il y a certaines vibrations quand je vous fais ces vidéos. Donc, c'est ça que je veux vous profiter. Donc, prenez le temps de regarder bien le rituel. Ensuite, de regarder encore, de voir si vous avez tout préparé, tout. Et ensuite, vous le faites. Il faut pas se presser. Hein. Les rituels, c'est cool, quoi, en fait. Cool, tranquille, c'est pas... Ah, ouais, non. On se calme. Donc... Alors, si vous voyez ici un truc transparent, en fait, c'est comme la silicone. C'est pour les cicatrices, en fait. Et je dois dire que ça marche. Pour les cicatrices, c'est un truc de fou. Je l'ai vu, ça hallucinant. Donc, voilà, ici. Donc, on va ensuite... Non, mais je raconte n'importe quoi. Il fallait pas de bout de papier pour celui-là. Excusez-moi. Désolée. Autant pour moi. Donc... on va prendre le fil ici. Alors, avec
soyez bien, voilà, je vais couper, soyez bien attentif, voilà, parce que ce fil, il va falloir le mettre, j'en ai déjà fait comme ça, mais c'est pas le même, hein, je vous rassure, ouais, ben là, c'est déconné, il me l'a coupé, donc j'ai mal fait, voilà, ok, je l'ai ici, donc voilà, il faut que vous ayez ça, donc, mais si, oh là là, c'est n'importe quoi. Mais si, si, il fallait le papier. N'importe quoi. Donc, pardon. Alors ici, ok. Sur le papier, vous allez mettre le nom de la personne. On va mettre Pierre Dupont. Ah oui, il faut que je vous dise un truc. Parce qu'il y a un Marc, soi-disant un Marc Dupont qui me regarde, qui est venu me parler sur, WhatsApp. Alors, Marc... Dupont qui m'appelle, enfin qui m'envoie le message d'Afrique avec une fausse photo, ça ne marche pas. Donc vous allez mettre Pierre Dupont, pardon, le nom de la personne, son nom, son prénom et son nom, d'accord ici. Ensuite, vous allez prendre le fil, vous allez le mettre sur votre poignet droit. Et vous allez, attendez, je vais le faire comme ça, sinon on n'aura pas aller. Vous allez prendre le fil comme ça, ok? Il faudrait que peut-être je me rase les poils des bras, enfin, que je fasse les pieds. Vous allez faire comme ça, donc, viens à moi, et vous l'enroulez. Viens à moi, viens à moi. Ok? Donc, vous l'avez fait, oups, vous l'avez fait trois fois. Ensuite, on va le couper. Donc, vous prenez les deux ici. Alors, voilà, ici, vous tirez et vous allez faire un nœud, évidemment. Voilà, donc je fais le nœud ici. Là. Alors, je vais vous dire. Je fais un repas de fil. Voilà, et vous l'attachez en deux. Donc pour ça, prenez le assez grand et ensuite vous coupez. D'accord? Ensuite, vous allez mettre un peu de poivre sur la bougie ici. Voilà. Donc vous n'oubliez pas qu'on a mis, donc ici, vous n'oubliez pas qu'on a mis le parfum ici, hein, sur la bougie ici, pas là. Le poivre en revanche là. Voilà. Si vous n'avez rien avec la petite bougie rouge, des chauffe-plats, c'est bon aussi. Hein. Vous le mettez là, au-dessus. Si ça tombe un peu par terre, c'est pas grave, hein, le poivre. Le poivre, c'est vraiment pour attirer. Ensuite, vous allez prendre le papier et vous le pliez en deux. Encore en deux. Encore en deux. Et encore en deux. Vous allez allumer la bougie. Ça y est, je crois que ah, il est là. Vous allez allumer la bougie. Voilà. Et vous faites brûler le papier en fait. Voilà. Vous faites brûler le papier. Alors moi je fais ça. Et ensuite je le laisse à côté de la bougie. Voilà. Vous faites brûler le papier. Quand le papier est brûlé, là je le laisse encore. Donc je vais vous montrer. Ici. Quand le papier est brûlé et vous ouvrez la fenêtre, parce que ça, bon, je ne vais pas le faire parce qu'il y a du bruit. Une fois que c'est brûlé, pendant 21 jours, vous allez garder ce petit fil rouge autour de votre poignet. Si on vous demande ce que c'est, vous dites rien, c'est comme ça, voilà. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Et ensuite, oups, arrêtez, vous voyez, donc là, voilà, il est brûlé complètement. Là, là, le rituel est fait, 21 jours. Dès que vous voyez qu'il n'est plus infidèle, vous pouvez le retirer. Mais après 21 jours, il faut le retirer. Terminé. Et vous pouvez le refaire encore une fois, si vous voulez, tant qu'il n'est pas fidèle, en fait. En général, ça va assez vite, vous voyez. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez des rituels personnalisés ou spécifiques, il y a des facilités de paiement. Vous cliquez en dessous dans la... en dessous de la vidéo dans la description. Puis vous n'oubliez pas mes livres et
Inscrivez-vous sur une liste, vous cliquez sur un lien, vous mettez votre email, comme ça vous serez au courant avant tout le monde du livre rituel qui sera disponible. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent des rituels et qui me disent oui, mais c'est pas comme les rituels que je fais ici sur YouTube. Non, ce sont des autres rituels. Les rituels que je fais ici, pensez bien que je ne peux pas faire n'importe quel rituel. Les rituels que je fais et aussi avec le chaman qui travaille avec moi sont vraiment des rituels énergétiques, des rituels où en fait je vais me connecter à vous et me connecter avec la personne ou les personnes avec qui vous voulez qu'on travaille. Donc du coup, c'est un peu plus spécial, ça étonne toujours les gens, mais c'est comme ça que je travaille, surtout avec les énergies, les vibrations, les fréquences et les plans, les différents plans au niveau de... ben voilà, de la terre, on va dire. Donc voilà, allez, je vous embrasse, je vous love. Si vous voulez un rituel gratuit énergétique, un soin énergétique, un petit soin énergétique que je fais en groupe, vous mettez votre nom, c'est pas nécessaire la date de naissance, mais vous mettrez votre nom, prénom, enfin, vous dites je veux un rituel, un soin énergétique offert. Ciao, 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 ciao.